Les matinées de la CRTV, 5h55, 9h, avec Steve Chega et Ken Bengue. Bonne journée sur la CRTV. Bonne journée, comme un soleil, notre drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Merci Cocorico, à notre sympathique coq de l'aube, qui déploie ses plumes de l'actualité pour saluer le soleil éclairant de l'info sur nos matinées. Et aujourd'hui, précisément, le soleil des indépendances, parce que nous jouerons la partition de l'unité et du souvenir avec un clin d'œil au Congo de Franklin Bukaka, le dernier pays de la CEMAC, invité à notre fête de l'unité en 2022, avant la Guinée équatoriale que nous avons célébré hier. Bonjour le Cameroun et au-delà, Mbote Congo, deux pays amis qui ont en commun les couleurs de leur drapeau et notre matinale a pour titre Bisso na Bisso, traduisez nous en langue lingala. Ensemble parce qu'ensemble nous sommes plus forts, nos points communs forts c'est l'actualité sur l'engagement des deux pays à produire du fer ensemble. Cameroun-Congo, Mbala, Nabeba, trait d'union métallique, le fer des bonnes affaires, ils unissent leurs forces pour exploiter des gisements et devenir le cinquième pôle de production de fer au monde. Tout compte fait, dans le business plan, ce projet va générer 22 à 30 millions de tonnes par an et créer plus de 20 000 emplois, si beaucoup ça. Les faits nous voient sur dans notre fil info tout à l'heure et nos liens forcent et nos 523 kilomètres de frontières communes qui ne sont pas des barrières, mais finalement des passerelles où le courant passe comme sur le fleuve Bumba. Là-bas, dans le village Sokombo, frontalier avec le Congo, stratégique centre des affaires, nous y ferons un tour en passant par Molundu. Et nos points forts, c'est le peuple Korzimé qu'on retrouve dans le Oignon, le Abumba et l'Angoko, région de l'Est au Congo et au Gabon, peuple riche de 20 langues parlées sur ces terres-là. Nous parlerons du Kolelo, la liane de la traversée coupée à l'époque par les colons, aujourd'hui renouée par le festival Kozimé. Nos harmonies qui nous rendent forts sur la playlist, c'est nos musicales qui jouent la partition de la liberté comme des collaborations à grand succès entre les immortels Franklin Bukaka et Manu Dibango. Manu qui ouvre la playlist de nos concerts radiophoniques tout à l'heure sur le thème de l'unité et rendez-vous avec l'orchestre et Serge Pout à 7h50. Mais avant filage, dernier réglage avant la parade du 20 mai avec notre invité actuel Maha Adjaouza, la présidente de la commission d'organisation du défilé civil, déterminée à mettre les rangs au pas avec solennité et élégance. Le volet armée nation est largement pris en compte dans le village unité d'intégration nationale. Nous avons un nouveau module cette année qui est le module des écoles d'administration et qui sera composé de l'ENAM et des éducateurs civiques qui sont en cours de formation à Koutaba. Dans la discipline absolument de rigueur, aussi dans les rangs des forces de défense et en la matière balade dans les souvenirs, la parade de l'armée congolaise en 2022, comme celle de l'Égypte l'an dernier, nous avait émerveillés avec leurs pas bien bûchés. Voici le bûcheron de Franklin Bukaka avec Manu, qui sera repris par Monsieur Dibango sur le titre Aïe Africa, et c'est l'Afrique qui gagne. Mbote, Congo, Mbolo, Djamna, Idibabouam, Oumadjoum, André, bonjour, Mme Kiri, le Cameroun. C'est parti pour 3 heures d'infos et de show. Réveil en live pour le l'éveil de l'Afrique avec des voix de Manu Dibango, Baba Mal et les cœurs de Coco Mbassi. Et dans l'actualité, une autre victoire de la musique pour l'Afrique, c'est que le Ghana compte un nouveau citoyen, mais lequel? Stevie Wonder, le célèbre chanteur, musicien, producteur afro-américain, devient ghanéen. Il a reçu son nouveau passeport des mains du président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Et on en parle tout à l'heure dans Derrière la Voix. Et surtout du Camerounais qui a été longtemps son batteur, Guy Nourgan. Pour l'instant, voici une voix de l'info. Le 6h, et elle est assise à l'heure, Agnès Sylvienne Anjama. National, il est 6h. Notre 6h, l'info dans sa fraîcheur. Bonjour Agnès Sylvienne Ndiama. Bonjour Steve Tchega et Kevin Gay. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour.